Des personnes qui nous rejoignent. Voilà, mais je pense qu'on va commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième session de formation. La semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, on a suivi une formation, on a participé à une formation sur les fondamentaux du fédéralisme. Donc, la semaine dernière, l'idée était plutôt d'explorer. Les théories du fédéralisme, d'essayer d'identifier ensemble les éléments clés un peu de cette pensée fédéraliste et de pouvoir voilà, les lister, comprendre un petit peu ces théories et ces différents courants, bien au-delà même de l'Europe. Là, l'idée de la séance d'aujourd'hui, qui va durer à peu près 1 heure, c'est d'explorer rapidement ensemble un peu l'histoire du fédéralisme européen. Et pour commencer, enfin, cette histoire du fédéralisme européen, alors on ne va pas remonter très loin, on va plutôt partir de la Seconde Guerre mondiale, on pourrait remonter bien plus loin, mais l'idée c'est un peu d'essayer en tout cas de vous donner un peu une histoire contemporaine de ce fédéralisme européen et que vous puissiez voilà, explorer quelques penseurs, comprendre un peu les courants de ce fédéralisme européen, peut-être aussi les réalisations dans ces combats militants, quelles ont été les réalisations, les succès du fédéralisme européen au cours de l'intégration européenne, et c'est un peu ce qu'on va voir ce soir. Pour le faire, on va adopter à peu près la même méthode que la semaine dernière. Je vous ai envoyé par mail un corpus de textes que vous trouvez aussi dans la conversation si vous appuyez sur le bouton converser. Alors, ce corpus de texte, il est. Enfin, j'essaie de vous trouver des textes avec ce que j'avais en confinement de disponible, soit en ligne, soit chez moi, pour vous proposer un peu un aperçu de textes qui nous parlent de différentes périodes. Qui sont principalement d'auteurs fédéralistes et qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux cette histoire du fédéralisme. Et on va à chaque fois partir d'un texte et ensuite mettre en commun pour explorer quelques périodes, quelques moments qui sont importants pour comprendre cette pensée fédéraliste européenne. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, pour la première étape, ce que je vous propose, c'est de prendre le corpus et de ne choisir qu'un seul texte dans les textes qu'il y a de 1 à 6. Il y a des textes qui sont numérotés de 1 à 6. Vous choisissez un texte. Pour les deux premiers textes, vous pouvez prendre les deux premiers si vous voulez. Mais vous choisissez un texte et l'idée, c'est d'essayer, enfin, c'est des textes qui sont des textes qui ont été écrits pendant la Seconde Guerre mondiale. L'idée, c'est de comprendre, enfin, d'essayer de retirer quelles sont les raisons pourquoi on veut créer une fédération européenne et comment on veut créer une fédération européenne. Donc, vous choisissez qu'un seul texte dans les 6 premiers textes du corpus. Et vous en lisez un, et après on met en commun et on essaye de trouver les éléments pour répondre à ces deux questions. Est-ce que vous avez des questions particulières ou est-ce que c'est clair? Juste une question rapidement. On est en groupe ou c'est individuel? Non, choisissez l'un des textes comme vous voulez. Vous le lisez pour vous et puis on met en commun ensuite. Bien sûr, j'espère qu'on pourra, enfin, que vu le nombre qu'on est, normalement on peut se répartir sur les 6 textes. Donc je ne vous attribue pas de texte en particulier, vous pouvez choisir. J'espère qu'on verra les 6. S'il y en a un qui manque, ce n'est pas très grave. Choisissez un texte, donc dans les 6 premiers textes qui sont numérotés de 1 à 6.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a pu prendre connaissance d'au moins un texte? Si vous avez pris connaissance de deux, c'est bien aussi. Parfait. Si c'est bon pour tout le monde, je vous propose que on restitue ensemble. Alors, sur ces deux questions, donc, pourquoi faire la Fédération européenne et comment faire la Fédération européenne? Donc là, vous avez lu des textes de résistants qui sont fédéralistes européens et pourquoi ils veulent la Fédération européenne. Est-ce que quelqu'un a déjà un élément à nous proposer? Alors, le problème, c'est que je ne vous vois pas trop, donc je ne sais pas. Vous pouvez ouvrir votre micro. Par texte ou pas? Pas nécessairement texte par texte. Dites-nous juste le texte quand même que vous avez lu et dites-nous l'élément. Voilà. Mais on n'est pas obligé de prendre dans l'ordre. Moi, Alors. j'ai lu le texte 3 Ouais, Angèle. Parfait. sur la rose blanche. Pourquoi? C'est pour combattre le militarisme, la dictature. Dans ce cas-ci, c'était le nazisme. C'était un pouvoir, comme ils mettent, unilatéral. Ouais. Et comment, c'est les dernières lignes, par une liberté de parole, de croyance et une protection des citoyens. Je ne sais pas si d'autres personnes ont lu le texte et ont des choses à ajouter. Ouais. Donc Angèle a lu le tract de la rose blanche, en effet. S'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter des éléments, peut-être certains l'ont lu. Sinon, ça peut être d'autres textes, si d'autres personnes ont envie d'ajouter des éléments. Il y a d'autres. Par rapport à Moi, je veux la... bien. Pardon. Vas-y, vas-y, Guillaume. Ah, bon, merci. Par rapport à l'impérialisme, moi j'avais lu le premier texte et ce que disait Spinelli, c'est que l'impérialisme venait justement de l'État-nation. Parce que du moment où on avait un État plutôt centralisé qui devait représenter une nation unie, au bout d'un moment, il y allait avoir une volonté de domination sur un autre État-nation et au final, ça allait mener à la guerre. Et donc la Fédération européenne permet la paix. Parce qu'on fait cohabiter plusieurs nations dans un seul État, et donc d'une certaine manière, on est sur une sorte d'égalité entre les nations, donc il ne peut pas y avoir de conflit. Ouais, enfin, c'est intéressant. Il dit centralisé. Il y a, je crois qu'il y a un autre terme aussi peut-être que vous avez vu sur les États. Leur pouvoir, il est comment? Il y a l'idée de souveraineté absolue. Voilà, absolu, ouais, c'est ça. C'est des États qui ont une souveraineté absolue. D'ailleurs, ceux qui étaient là la semaine dernière, il y a des choses qui reviennent aussi. Cette idée d'absolu, de concentration des pouvoirs dans une seule entité. Et le fédéralisme, justement, ça va être de briser cet absolutisme. Est-ce que quelqu'un veut ajouter d'autres choses? Peut-être d'autres textes? Moi, je veux bien dire un mot sur le texte 6, du coup, Oui. qui est une déclaration du Comité français pour la Fédération européenne. Et de ce que j'ai retenu pour changer de ce qui a déjà été dit, c'était globalement que la Fédération allait aider l'Europe dans la voie du progrès économique, de la démocratie et de la paix. Donc, en gros, c'est pour permettre le développement sur plusieurs terrains, niveaux, domaines, quoi. Donc, démocratie, on peut dire ça? Et économique aussi, quand même. Ouais. Oui. Hervé, est-ce Je que pense que je peux ajouter un mot sur le texte 6? oui, vas-y. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il parle également, il parle bien de deux choses de subsidiarité, hein. C'est-à-dire que les États, les gouvernements des États nationaux ne disparaîtront pas, mais ils seront soumis à la fédération dans certains cas, quand ça sera nécessaire. Et il parle également de faire l'Europe de manière démocratique, c'est-à-dire par les élections. Okay.
Les gouvernements de la fédération seront élus non pas par les gouvernements nationaux, mais par les peuples. Et une troisième chose que je voulais dire, c'est qu'il y avait quand même des militants fédéralistes qui étaient des gens connus à l'époque, puisque l'un des rédacteurs est Albert Camus. Exactement. Merci Jean-Francis. Alors, toujours sur ce texte 6, si je peux. Oui, oui, oui. Effectivement, il donne très clairement les trois objectifs, l'économie, la démocratie et la paix. Et puis, il donne la liste des choses qui devraient être fédérales, qui ne sont pas plus de 10, hein, qui sont très précises également. Et je crois qu'on n'en a qu'une, peut-être trois parmi ces, dans cette liste. Et ensuite, il explique effectivement que les États gardent leur souveraineté pour leurs affaires propres, locales. Mais il fallait quand même réaliser au niveau fédéral ce que le texte liste. Et à force de donner autonomie aux États, ça c'est mon commentaire, à force de donner entière autonomie aux États, ils lâcheront pas et ils n'ont pas lâché leur souveraineté au niveau fédéral, sauf dans quelques rares domaines. Exact. L'idée, c'est en effet, il y a quelques domaines que l'on souhaite mettre en commun au sein de la fédération. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, le principe de subsidiarité. Alors, pour le coup, c'est un principe que vous connaissez bien parce que c'est un principe qui est souvent cité pour l'Union européenne et qu'on utilise allègrement, y compris maintenant dans les textes juridiques de l'Union européenne. Mais c'est un principe qui est plutôt récent dans l'idée, dans le corpus juridique européen, on va dire. C'est même on le verra peut-être tout à la fin, mais c'est plutôt dans les années 80 qu'on va vraiment détailler ce terme et qu'on va l'utiliser dans le contexte européen. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Texte 5. C'était le texte 5 aussi, mais je laisse clair. Vas-y, Marie-Jeanne, vas-y. Bon, merci. Ce qui m'a frappé, c'est la première phrase du texte 5. La paix européenne est la clé de voûte de la paix du monde. Parce que justement, effectivement, tous ces petits États qui sont dans les uns à côté des autres, donc peuvent créer particulièrement des difficultés vis-à-vis de la paix. Et ça implique le monde entier. Donc ça donne au fédéralisme européen encore plus de puissance et d'intérêt. Exactement. Exactement. En fait, quand on réfléchit vraiment à ce monde d'après, pour le coup, puisque c'est un peu la mode, donc après la Seconde Guerre mondiale, on imagine vraiment comment pacifier le monde et on constate forcément que c'est l'Europe le terrain des conflits mondiaux, voire qui en est régulièrement l'origine. Donc, c'est ici qu'il faut régler le problème. Je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter d'autres éléments? Moi, par rapport au document 5. Oui. Dans le document 5, en fait, par rapport à la première question, donc pourquoi, l'idée du document 5, c'est que, enfin, ce que j'ai compris qu'il dit, c'est que l'origine, en gros, des deux conflits qu'il y a eu avant, donc des deux guerres mondiales, c'est le fait qu'il y ait plusieurs États, en fait, qui sont voisins, et du coup, ça a créé des problèmes au niveau des frontières. Et justement, l'Union fédérale permettrait, en fait, de mettre fin à ces convoitises d'un État sur le territoire de l'autre, et etc. Ouais. Oui, en effet. Il y a notamment un peu toute une théorie, d'ailleurs ça reprend une théorie nationaliste sur la question de l'espace vital, etc., qui est une théorie un peu à la mode dans les années 30. En effet. Dans les textes 4, pour les communs, il parle de la citoyenneté européenne, donc que les citoyens puissent avoir...
enfin, que ça soit prévu une citoyenneté européenne pour tous les habitants des différents États, de manière à être soumis directement aux lois fédérales. Ouais, exactement. C'est quelque chose de très intéressant. Vous voyez que déjà, il y a la question d'une citoyenneté européenne, alors que ça n'arrive que beaucoup plus tard pour la construction qu'on connaît. Citoyenneté européenne, ça date des années 90. Bon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou est-ce qu'on peut passer à la suite ? Parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite. Là, ça va être un peu différent. Donc, vous avez vu, là, on a des projets de résistants européens qui ont élaboré, alors, soit eux-mêmes, soit avec d'autres groupes et mouvements de résistance, différents textes qui ont créé des mouvements fédéralistes européens pendant la guerre et qui vont continuer à militer après la guerre. L'idée, c'est d'essayer de voir un peu comment, juste après la Seconde Guerre mondiale, ces projets se réalisent ou non. Et pour ça, on va faire le même exercice. Vous allez pouvoir choisir un texte. On va refaire une petite séance de lecture. Il faut choisir un texte. Soit le texte 10, soit parmi les textes de 13 à 15. Donc le 10, le 13, le 14 ou le 15. Et vous pouvez choisir un texte. Donc soit le 10, le 13, le 14 ou le 15. Vous pouvez aussi lire ceux qui sont entre, mais ils sont plus petits, alors ça ne vous donnerait pas forcément trop de détails. Mais normalement, ça va vous permettre de savoir ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça va vous donner une petite progression pour bien comprendre. Pour ceux qui nous ont rejoints et qui n'auraient pas le corpus de texte, il est dans la conversation. Ou bien, je vous l'ai envoyé par mail, donc vous pouvez aussi regarder dans vos mails si vous êtes bien inscrit sur le formulaire.
Ok, on se laisse encore 30 secondes et puis on met en commun. Ok, je vous propose de mettre en commun, peut-être pour cette première, ce premier focus un peu sur un moment européen pour le coup. Alors, qui a lu le texte 10 et qui peut nous en dire un peu quelque chose de ce qu'il a compris du texte 10 c'est quoi, c'est qui, ça se passe où? On comprenne un peu le texte 10. Est-ce que quelqu'un a lu le texte 10, numéro 10? Personne n'a lu le texte 10. Vraiment? Non. C'est dommage. C'est le meilleur. Je l'ai juste survolé. Ce que j'en ai vaguement compris, c'est qu'effectivement, il y avait eu beaucoup de tiédeur et pas assez d'engagement dans les... Voilà. Ok. Est-ce que, juste donc, quel est l'auteur peut-être? Et enfin, c'est tout en bas du texte. Et à quel événement il assiste? Au congrès de la Haye, en 48, Denis de Rougemont. C'est ça. Donc, Denis de Rougemont, c'est un fédéraliste pour le coup. On en a légèrement entendu parler la semaine dernière. Et c'est un fédéraliste européen. Et il est représente notamment une association qui est l'Union européenne des fédéralistes, qui organise cette formation pour le coup, en tout cas son ancêtre. Et donc, il est membre de cette association et participe à un grand événement qui est le congrès de la Haye en 1948. Et cet événement, il réunit énormément de représentants de différents pays européens, des militants, des résistants, des responsables politiques. Et c'est un peu l'événement qui permet d'imaginer l'Europe d'après-guerre. En effet, dans son texte, il parle de la tiédeur un petit peu qu'il y a au congrès de la Haye. Notamment, il oppose je ne sais pas si vous êtes la seule à l'avoir parcouru, mais il oppose deux tendances un peu. Il parle tout à la fin, je ne sais pas si... Les unionistes et les fédéralistes. Exactement. Il oppose les unionistes et les fédéralistes. Et il dit dans le texte, Et il dit dans le texte que les fédéralistes ne sont pas majoritaires au congrès de la Haye, pour le coup. Et donc, mais il est assez optimiste parce qu'il pense que les fédéralistes peuvent faire passer leurs idées. Et notamment, alors il évoque une idée particulièrement importante. C'est passé. Enfin, il fait la liste des idées, notamment, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Il parle aussi d'insérer l'Union fédéraliste dans une fédération mondiale. Ouais, il parle de la fédération mondiale.
Fédération européenne. Ouais. On parle aussi de la création de plusieurs institutions qui sont supranationales. Cour suprême, Centre européen de la culture. Exactement. Il y a une Cour suprême pour faire respecter un droit commun. Une charte, oui. Une Assemblée de l'Europe. Oui, une Assemblée de l'Europe. Ça, c'est un grand trait des fédéralistes européens, forcément, c'est d'avoir une assemblée commune, puisqu'on l'a vu juste avant, on veut qu'il y ait une représentation démocratique de cette Europe. Centre de la culture. Voilà. On va parler de tout ça. OK. Parfait. On va prendre les autres textes. Ce n'est pas très grave si on n'a pas forcément tous les éléments là-dessus, mais on va prendre les autres textes. Qui a lu le texte 13? Milou l'a lu. Milou l'a lu. OK, super. Donc, c'est Henri Freinet qui, en 1950, fait état de l'urgence d'un pacte fédéral européen. D'après le début du texte, on comprend que pour lui, il n'y a pas assez de mouvance politique et il a peur que les gouvernements opèrent une dépossession de l'indépendance des peuples. Donc, il envisage le dilemme fonctionnalisme et fédéralisme pour en venir au fait qu'il y a un impératif de création d'un pacte fédéral qui remettrait l'autorité politique commune avec donc les pouvoirs qui seraient absolument nécessaires d'exercer en commun dès maintenant. Donc, sous-entendu peut-être d'avoir un socle fédéral permettant, dans cet état post-guerre, de pouvoir partir sur une base où les peuples délégueraient à des strates supérieures un début de structure fédéraliste. Ouais. En effet, bon, il parle en gros de transfert de souveraineté et on est en 1950 et il a peur en effet que les gouvernements ne confisquent un peu cette idée de fédération européenne et que, alors il fait une autre opposition entre ce qu'on appelle le fonctionnalisme et le fédéralisme. Pour résumer très rapidement, le fonctionnalisme, et d'ailleurs je peux aussi parler de l'unionisme et comme ça... vous aurez un peu les clivages. Le fonctionnalisme, c'est une théorie où l'idée, c'est de créer des institutions spécialisées pour gérer un problème spécialisé. Donc, on va créer, par exemple, une autorité. Par exemple, ici à Strasbourg, on a la conférence pour la navigation sur le Rhin, qui est une conférence entre les États qui sont traversés par le Rhin pour gérer la navigation sur le Rhin. Ça, c'est typiquement, toutes les organisations internationales sont un peu basées là-dessus. Ça veut dire qu'on définit un organe spécifique qui gère un aspect spécifique. L'Organisation mondiale de la santé, elle s'occupe de la santé. Voilà. En gros, c'est ça. Et l'unionisme... dans le premier texte, bon, il en parle un peu. En gros, l'idée, c'est la coopération entre les États, mais il n'y a pas de structure commune, enfin, de structure supranationale. L'idée, c'est que tous les États gardent leur souveraineté absolue. On coopère, mais on n'est rien en commun. OK. Là, on est en 1950. Ok, le texte 14, peut-être. Quelqu'un, le texte 14? Moi, je l'ai lu, mais je ne suis pas sûre que mon analyse soit super pertinente. Ouais. Mais je vais essayer, du coup. Ouais. Si j'ai bien compris, c'est des discussions entre Spinelli et deux autres personnes que je ne connais pas, mais peut-être que vous les connaissiez, Friedrich et De Hoos.
Ils discutent donc du préambule, pour la potentielle constitution européenne lors d'un comité d'études. Et ils sont en train de discuter ce qu'ils vont mettre comme premiers mots. Et ces premiers mots sont lourds de sens parce qu'en fait, ils comparent avec la constitution des États-Unis qui commence par nous, le peuple des États-Unis d'Amérique. Et en fait, ça entraîne une discussion autour de la valeur qu'ils vont donner aux textes qu'ils sont en train d'écrire. Où est-ce que ça va se placer dans le droit international, du coup, si j'ai bien compris? Ouais, c'est exactement ça. En gros, c'est un compte-rendu d'une réunion. Ces différentes personnes sont au sein d'un comité d'études pour la Constitution européenne. L'idée, ils sont en train d'élaborer autour d'une personne que vous connaissez bien et qui est l'auteur du discours qu'on va étudier juste après, Paul-Henri Spaak. Et l'idée, c'est qu'on travaille à la rédaction de statuts, en tout cas, d'une Constitution européenne à peu près, enfin, tout le monde ne serait pas d'accord pour dire ça, mais grosso modo, c'est ça. Ils ne sont pas tous d'accord sur la place à donner à ce texte, ni la légitimité, enfin, qui donne la légitimité de ce texte. Ce qu'on a un peu dit tout à l'heure sur les peuples, quand ils se disputent sur la question des peuples d'Europe, c'est savoir est-ce que c'est les États qui vont donner la légitimité de ce texte, ou est-ce que c'est les citoyens. Ok, le dernier texte. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il dit? C'est le texte numéro 15. Qui a lu le texte 15? Alors moi je l'ai lu, Marc. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ça me paraît intéressant parce que c'est l'idée de dire qu'on n'était pas dans un extrême ou dans l'autre, c'est-à-dire ni fédéral, ni dans un système où les États gardent une totale souveraineté. Et je me disais, alors on parlait de l'armée européenne, que c'était une impasse dès le départ. Et je ne comprends pas bien, pour moi, un État fédéral, les États qui le constituent, peuvent garder leur entière souveraineté. Il me semble que c'est une vraie impasse qui est vraiment en pleine actualité aujourd'hui au niveau européen. Mais bon, là, je dépasse le texte même. Il me semble que pour les Suisses, avant d'être Suisses, ils sont d'abord vaudois ou genevois, et qu'ils gardent l'entièreté de leur souveraineté, bien que l'État soit fédéral et soit confédéral. Quoi. Et il me semble que c'est intéressant parce qu'on voit d'entrée l'impasse européenne. Exactement. Alors, ce discours, c'est un discours qui se déroule. Vous pouvez juste nous dire qui fait ce discours et devant qui ou devant quoi? Dans l'Europe de Strasbourg. Alors, ouais, c'est Paul-Henri Spaak. Et il préside une assemblée qui s'appelle l'assemblée ad hoc. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais c'est une assemblée qui a été, qui est issue de l'assemblée de la CECA, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier, que vous connaissez bien. Lors de la création de la CECA, on a créé une assemblée parlementaire. Et cette assemblée parlementaire, elle a été élargie très très vite pour travailler sur un projet. Et le projet, on en a parlé juste avant, c'est bien ce projet de statut. Et on va voir de quoi. En vrai, ce sont les statuts futurs de la communauté politique européenne. Et justement, Paul-Henri Spaak les présente à l'Assemblée. Enfin, présente les travaux du comité qui est en charge de rédiger ces statuts. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une synthèse et de répondre à vos questions, si vous en avez, grâce à une petite frise que j'ai créée, qui n'est pas très esthétique, mais qui fait l'affaire, on va dire.
Alors, vous avez quelques dates que vous connaissez déjà de l'histoire de la construction européenne, qui sont un peu classiques. Mais l'idée, c'est d'essayer de vous repérer un peu par rapport au texte qu'on a vu ou à certains grands moments, on va dire, des mouvements fédéralistes ou des idées fédéralistes, en tout cas. On a parlé du congrès de La Haye, donc de 1948, auquel ont assisté beaucoup de résistants, beaucoup de responsables politiques, etc., pour imaginer l'Europe de demain. Ce congrès de La Haye, il a permis de créer ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe, qui existe encore aujourd'hui, mais qui est une organisation internationale. Et très vite après la création de cette organisation internationale, qui va principalement s'occuper de droits de l'homme, les fédéralistes et certains pays, en tout cas, certains gouvernements, choisissent de se lancer dans une autre construction. Et là, vous connaissez la déclaration Schuman sans problème. J'ai mis quelques citations de la déclaration dans les textes, vous pourrez aller voir. Où l'idée, c'est la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, mais l'idée, c'est vraiment d'embrayer sur la création de la communauté européenne de défense, ça vous souvenez bien, et de cette communauté qu'on oublie un peu, la communauté politique européenne, normalement, qui est chargée de chapeauter l'ensemble pour diriger ces communautés. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une structure, et on parlait tout à l'heure d'une constitution, c'est vraiment la constitution, les statuts de cette organisation. Et pour les fédéralistes, ça représente vraiment une constitution. Pour le coup, vous savez déjà un peu comment se termine l'histoire. L'histoire, c'est qu'en fait, on a lancé ce comité, donc après la signature du traité sur la communauté européenne de défense, les gouvernements demandent à l'Assemblée ad hoc, qui est cette assemblée élargie par rapport à l'assemblée de la CECA, de travailler sur la communauté politique européenne pour élaborer un projet de statut. C'est les travaux que vous avez pu voir là, dans les textes 14 et 15. Mais ces travaux vont être mis à la poubelle parce que, vous le savez, en 1954, l'Assemblée nationale refuse la ratification de la communauté européenne de défense et donc le projet est enterré. Grosso modo, il faut voir dans ces, on va dire, 10 premières années, même moins, c'est le grand moment d'ébullition, on va dire, pour la construction européenne. Ces projets qui émanent de la résistance et de mouvements de résistance commencent à se constituer. Il y a déjà des premières craintes aussi qui s'expriment. On les a entendues avec la réticence des gouvernements et de certains États nationaux qui se sont reconstitués après la guerre. Et on a un premier échec en 1954. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier moment? Oui, est-ce que on peut considérer ça comme, vous l'avez dit, donc le premier élan et l'ébullition première, mais qui se termine par un échec, et c'est l'enterrement de la progression fédéraliste en Europe? Alors, on va le voir, c'est pas la fin. Il y aura d'autres moments un peu d'ébullition, si on veut, pour les fédéralistes. Mais en effet, c'est le premier gros échec des fédéralistes. Ça veut dire... on l'a vu, bon, on voyait présager dans le premier texte qu'on a lu, ils n'étaient pas majoritaires au Congrès de La Haye, pour le coup. Il y a quelques victoires qui ont été remportées avec la création au Conseil de l'Europe, on va avoir une assemblée parlementaire. Quand on crée la CECA, on prévoit une assemblée parlementaire. Donc ce système de parlement, cette idée de démocratie transnationale, elle est là dans ces impulsions. Mais l'échec, en effet, de la CED va vraiment mettre un coup de frein. Et on verra juste après ce qui va se passer après à propos des traités de Rome et ce que ça va provoquer chez les fédéralistes, ce gros coup de frein et cet échec dans leur projet de création de la Fédération européenne. Il faut imaginer que les résistants qu'on a lus tout à l'heure,
Ils imaginent l'avènement de la fédération vraiment juste après la Seconde Guerre mondiale à la sortie. Donc en effet, c'est un échec de voir que ça rate tout de suite. Enfin, que ça rate dans les 10 premières années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passe à la suite. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce qui va se passer après cet échec de 1954, je vous ai proposé deux textes qu'on peut lire. Vous choisissez l'un des deux textes. C'est le texte 16 et le texte 17. Normalement. 16-17. Ou je vais vérifier pour être sûr. Mon doute. Non, c'est le 17-18. Mes excuses. 17 et 18. Il y en a un de Spinelli et l'autre de Brugmann. Les textes 17 et 18. Exactement. Alors, est-ce que vous avez pu lire l'un des deux textes? Ok. Si c'est bon pour vous, si vous avez lu l'un des deux textes, bon, pas les deux, c'est justement comme ça nous permet de comparer. Alors, qui a lu le texte numéro 17, celui de Hendrik? Le prochain Hendrik. Oui. Clémentine, Chloé. Est-ce que quelqu'un veut vous expliquer déjà un peu de quoi il retourne et quelques éléments qu'il a relevés de ce texte? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, vous pouvez prendre la parole parce que je ne vous vois pas tous, alors je ne peux pas. Bon, si personne se lance, je vais me lancer, mais encore une fois, je ne suis pas sûre que ce que je vais dire, ça va apporter beaucoup. J'ai trouvé qu'en fait, il était très déçu. C'est chez eux ou chez moi? Ah, il faut couper votre. Ok. Clémentine, on t'a pas entendu. Pardon. Du coup, je disais que Brugmann, je vais faire dans les grandes lignes parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout compris comme il faut. Mais en gros, j'avais l'impression qu'il avait déjà. Il était déçu par l'échec précédent,
mais qu'il restait positif et il se dit, malgré les nationalismes présents dans les États, et donc pas qu'en France, mais partout, certains peuvent quand même se rendre compte de la nécessité, du moins économique, de l'Union, et que du coup, ça va... Enfin, le fait qu'ils se rendent compte de cette nécessité économique va peut-être les amener à frayer un chemin vers une union plus intégrée quand même. Voilà. Oui. C'est ça. Tout à fait. Oui, exactement. Est-ce que quelqu'un veut ajouter d'autres éléments ? Il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Parfois au détour d'un... Oui, il dit aussi que les intérêts économiques déboucheront aussi sur des nécessités politiques, sur des... que ça partira, enfin, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Hein, que ça partirait des intérêts économiques pour commencer et que ça y aura d'inévitables conséquences politiques. Et que c'est une question de voir la réalité en face, donc de pragmatisme principalement. Oui. En effet. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez relevés? Il considère qu'on ne va rien pouvoir attendre de la part des gouvernements nationaux qui se sont déjà relevés, en fait, alors qu'ils étaient complètement amorphes pendant la Seconde Guerre mondiale et l'époque de la résistance, et qu'on aurait pu imaginer une intégration européenne sans États ou avec des États beaucoup plus faibles. Là, c'est vraiment eux qui mènent le bal et qu'on ne peut pas attendre grand-chose sur le fédéralisme. Et il identifie le fait aussi que les combats se déplacent de thématiques. Il parle de l'œuvre réalisée par SPAC, où du coup, on dévalue les frontières. Et c'est ce qu'il identifie comme nouveau combat pour les fédéralistes, la question de la frontière. En effet, alors on a de nouveau notre cher Floris Speck qui est de retour. Et alors, dans le texte, je n'avais pas compris tout à fait ce que disait Chloé. Il m'avait semblé, je dois me tromper, que bon, effectivement, il prend acte du fait que les États se sont bien repris et qu'ils sont indéboulonnables finalement et qu'on ne peut pas les éviter. Mais j'ai cru lire qu'il notait que dans ces gouvernements, il y avait des gens qui étaient quand même fédéralistes et qu'on pouvait raisonnablement, ou peut-être qu'on n'avait plus le choix, qu'on était obligé de croire que certaines personnes dans ces parlements nationaux et dans ces gouvernements feraient avancer la cause fédéraliste. Ou je me trompe? Oui. Alors, non, justement, il dit que, exactement, enfin, dans les États nationaux, bon, il n'attend pas grand-chose des gouvernements, mais il est quand même persuadé que parmi ses dirigeants, il y a certes des nationalistes, mais il y a aussi des gens de bonne volonté, entre guillemets. Donc, des fédéralistes ou pas, hein, ça peut être des pro-européens, ou voilà. Mais des gens de bonne volonté qui voudront bien quand même faire avancer la machine. Oui. Donc, justement, il dit il y a peu à attendre des gouvernements, mais il les implique. Bah, sa stratégie pour la fédération. Il dit en gros, de toute façon, on n'a pas le choix. Et ils ont repris la main, ils ont repris l'initiative. Mm-hmm. Et ben, il faut espérer que ça débouche sur quelque chose de plus abouti. Exactement. En effet, ce que Chloé a dit aussi pour la fin, le combat pour l'abolition des frontières, quand il parle de Paul-Henri Spaak, en fait, c'est le projet qui va conduire au traité de Rome, puisque Spaak va continuer à travailler pour le coup sur la relance
du projet européen, en tout cas après l'échec de la CED, et sur les projets notamment de la communauté économique européenne qu'on connaît. Et de Euratom aussi. Donc, une communauté autour de l'énergie atomique. Ok. Est-ce que, pour ceux qui ont lu le texte de Spinelli, qu'est-ce que Spinelli, lui, dit ? Du coup, Spinelli, justement, c'est une position peut-être pas opposée, mais en tout cas plutôt différente. Et c'est l'idée qu'on ne peut pas laisser à des gouvernements nationaux qui ont des intérêts nationaux le destin d'une Europe fédérale qui, du coup, n'aurait plus que des intérêts nationaux. Et donc, il explique que dans le congrès auquel il s'adresse, ce qu'il appelle le congrès du peuple européen, ils sont tous là non pas pour représenter les intérêts nationaux, mais pour représenter les intérêts européens et du peuple européen. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il parle du peuple européen de manière unifiée et pas des peuples européens. Et donc il explique que d'une certaine manière, s'il y a eu cet échec de la CED dans les années 50, c'est justement parce que il défendait la France défendait son intérêt national, et donc au final on n'a pas réussi à continuer cette intégration européenne. Exactement, c'est ça. Pour le coup, lui, il n'est pas du tout d'accord pour se fonder sur les gouvernements, voire même les parlements nationaux. Pour lui, il faut une représentation du peuple européen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter quelque chose ? Il y a un mot qui est fort, l'amputation de certaines prérogatives de nos gouvernements. Donc, ça veut dire vraiment quelque chose de très très fort et dans la pensée et dans les actes. En effet. Je me demande s'il parle d'ailleurs. Okay. Je ne sais pas s'il détaille, je me souviens plus s'il dit exactement de quoi il parle quand il parle de l'amputation, mais grosso modo. Non, il ne dit pas particulièrement. Mais en effet, là, c'est vraiment la question des compétences. En gros, il dit qu'on ne peut pas demander à des gouvernements nationaux d'abandonner des prérogatives. Ça veut dire à des États simplement d'abandonner des pans de leur souveraineté pour le déléguer à un autre niveau. Et donc, pour le faire, ce n'est pas au gouvernement qu'il faut s'adresser, mais aux citoyens eux-mêmes. Est-ce qu'il appelle, lui, le peuple européen ? Est-ce que vous avez d'autres éléments ? Alors, c'est rigolo, dans les deux textes, au tout début, quand même, on parle, enfin, ils se différencient tous les deux d'un autre courant. Est-ce que vous avez identifié les deux courants qui pourraient s'affronter ici ? Dans les premiers mots de Brugmans, il parle de qui ? Des constitutionnalistes, qui, ouais. J'imagine, ici désigne le courant de Spinelli. Exactement. Ici, on a les constitutionnalistes. C'est ceux qui sont pour forcément l'écriture d'une constitution européenne et qui veulent que ce soit le peuple européen, comme dit Spinelli, qui écrit cette constitution. Chez Spinelli, je ne sais pas si c'est aussi clair.
Mais grosso modo, pour vous faire comme ça un peu penser, en effet, là, on voit deux courants qui se sont créés chez les fédéralistes. Ce sont des courants qui existent toujours, qui ne sont plus séparés pour le coup, mais ça existe toujours en tout cas dans l'étude de l'intégration européenne. C'est aussi différentes écoles de l'histoire de l'intégration européenne. On va avoir ce qu'on appelle les fédéralistes constituants, enfin, on peut appeler ça comme ça, ou les constitutionnalistes, ou comme vous voulez. Ça, c'est un peu le camp de Spinelli. Chez Brugmann, lui, à l'opposé, ça va être ce qu'on appelle les fédéralistes gradualistes. Alors, on peut les appeler autrement, enfin voilà, comme vous voulez. Et donc, vous voyez, dans les deux approches, il y a deux approches qui sont bien différentes. Il y a l'un qui est toujours sur la ligne d'une assemblée constituante. Là, vous l'avez vu, une représentation du peuple européen, etc., pour construire cette Europe. Et ce sera possible que de cette manière-là. Et les fédéralistes gradualistes, qui, pour le coup, entrevoient... on l'a vu par exemple quand on a dit le développement économique de la communauté va amener des développements politiques. Donc ils espèrent l'avènement de la fédération grâce à des réalisations, à la mise en commun de certaines prérogatives. Là on parle forcément de l'économique à la veille des traités de Rome, et qui vont forcer les États à s'organiser au niveau européen et à créer cette fédération. Pour la synthèse, je vous remets juste pareil, une petite frise pour vous résumer un peu ce qui se passe. Et dans cette frise, vous avez un moment qui est important dans ce que je vous ai dit de cet affrontement entre les fédéralistes. En 1956, vous avez la création de ce qu'on appelle l'Action européenne fédéraliste, qui est le courant de ces gradualistes, grosso modo. Donc, on va avoir une vraie scission, en fait, entre les fédéralistes, qui vont créer des organisations séparées, et les fédéralistes constituants avec Spinelli vont continuer au sein de l'UEF, qui va devenir, qui va se renommer Mouvement fédéraliste européen. Et donc, dans les années 50, on observe vraiment la division des fédéralistes selon deux stratégies. Ceux qui vont vouloir avancer, ceux qui pensent pouvoir atteindre la fédération grâce à des avancées, notamment dans le domaine économique, parce qu'ils pensent que ça va forcer les États à s'organiser entre eux, et ceux qui sont un peu plus révolutionnaires, même, on peut le dire, avec notamment Spinelli, qui lui prône vraiment la constituante, et une constitution européenne. Vous aurez d'autres textes dans le corpus si vous voulez aller voir un peu plus tard après cette séance pour comprendre ce moment-là et comment ça va se passer. Alors, si vous êtes d'accord, peut-être, je vous propose de voir un dernier moment. Enfin, est-ce que vous avez des questions sur cette division-là, sur cette période-là? Sinon, on passe à un dernier moment. Il me semble qu'il y en a une dans le chat de Chloé. Ah, oui. Désolé, je ne vois pas le chat. Demandez, Hervé, la différence entre les fédéralistes gradualistes et les fonctionnalistes. Ouais. Alors, ce qu'on appelle les fonctionnalistes, ou même ce qu'on appelle... dans l'histoire de l'intégration européenne, on parle même des néo-fonctionnalistes. Très rapidement, tout à l'heure, j'ai parlé du fonctionnalisme. En gros, le fonctionnalisme, c'est vraiment, on crée une organisation internationale pour un sujet très précis. Et les membres y adhèrent et peuvent quitter cette organisation quand ils veulent. Et ils se réunissent autour d'un but très précis. Donc, l'exemple, c'est l'Organisation
mondiale de la santé, vous en faites partie, vous en faites pas partie, voilà. Ou l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Ça, c'est des théories qui existent déjà depuis un certain temps dans les idées avant la Seconde Guerre mondiale. On va parler après de, pour l'histoire de l'intégration européenne, on va parler d'un courant qui va s'appeler le néo-fonctionnalisme et qui est très proche pour le coup des fédéralistes gradualistes. En gros, eux, ils vont être un peu, ils vont élaborer une théorie selon laquelle, en gros, la construction européenne, elle fonctionne par ce qu'ils appellent des débordements, grosso modo, si on traduit. C'est-à-dire que en mettant une chose en commun, ça risque de déborder sur d'autres sujets, et à chaque fois on va déborder sur d'autres sujets. Par exemple, on a mis le charbon et l'acier en commun, donc ça va déborder là sur l'économique, et puis je sais pas, là on parle de l'énergie atomique, mais on va et en gros l'idée c'est vraiment de voir l'intégration européenne comme une sorte de débordement successif qui force à chaque fois les États à mettre plus de pouvoir en commun. Ça, c'est la théorie des néo-fonctionnalistes. Ce qui change avec les fédéralistes gradualistes, c'est qu'eux, ils voient aussi un peu cet enchaînement-là, mais pour le coup, ils ne vont pas le théoriser aussi de manière aussi complexe que les néo-fonctionnalistes. Mais par contre, eux, les fédéralistes gradualistes, c'est qu'ils ont quand même toujours l'idée de l'Europe politique derrière et de la fédération. Donc, eux, ils savent que ce processus peut se faire par étapes, mais leur objectif, il reste le même. Il reste la Fédération européenne, il reste l'Europe politique. C'est ce qui va les différencier, mais pour le coup, ils sont plutôt assez proches. Oui, je crois qu'il y a une autre question. Oui, est-ce que ça vous paraît raisonnable de dire aujourd'hui, 60 ans après les années que vous venez d'évoquer, que Spinelli avait raison et que les fédéralistes gradualistes se sont complètement plantés? Alors, moi je peux le dire. Hein. moi je peux le dire, mais en vrai, les écoles existent encore. Ça veut dire vous avez encore aujourd'hui des personnes qui sont des fédéralistes gradualistes. Alors, si on a le temps, peut-être on passera au dernier texte que je voulais vous faire lire. Et qui parle dans d'autres moments, qui parle des années 80. En fait, cette scission, elle existe encore aujourd'hui sous la forme, même dans des écoles académiques ou des universitaires, sur une certaine vision du droit européen, par exemple. Les fédéralistes constituants, ils sont toujours pour la même chose, ça veut dire la constitution européenne, c'est la solution. Et pour ça, il nous faut une assemblée constituante, etc. Notamment, nos mouvements, c'est ce qu'on porte assez régulièrement. C'est vraiment la majorité, grosso modo, de nos militants qui militent pour ça. Mais il existe une école, notamment dans le domaine du droit communautaire, notamment depuis les années 80, où on a beaucoup travaillé là-dessus, qui en fait voit le droit européen et les traités comme une constitution elle-même. Et ça, c'est directement hérité de ce courant des fédéralistes gradualistes. Ça veut dire qu'on imagine les traités qui existent aujourd'hui comme une constitution, et c'est comme si on avait déjà en fait une constitution. Et d'ailleurs, il y a parfois certains de nos arguments qu'on utilise, on élève ces traités comme un corpus constitutionnel. Donc, pour certains fédéralistes gradualistes, il n'y a même pas besoin d'une constitution parce qu'elle existe déjà, entre guillemets, pour eux, puisque ce sont les traités et les traités existants. Donc, ça va notamment l'être... les écoles existent toujours, pour le coup. Si je peux me permettre juste, ça me semble des fois intéressant de regarder ça aussi à l'aune de la difficulté de la constitution des métropoles en France et des communautés de communes. Exactement, il y a, on peut voir des articulations similaires, notamment en termes de légitimité aussi, des différents niveaux, par exemple.
Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose peut-être de terminer rapidement avec trois autres textes que je vous propose de lire. Et là, on est sur une autre période, un peu plus tard. C'est les textes 25, 26 et 27. Alors, je vérifie que ce soit bien juste et qu'il n'y ait pas un décalage, c'est possible. Non, c'est bien 25, 26, 27, donc c'est juste. Vous pouvez pareil choisir un seul texte et on en discute juste après. Et on terminera après la séance en concluant là-dessus. Est-ce que alors de quel enfin quels éléments ressortent de ces textes vous en avez lu un, donc dites juste lequel vous avez lu, mais on peut sortir enfin les textes sont assez similaires là pour le coup, enfin vont donner des éléments communs. Est-ce que quelqu'un veut parler du texte qu'il a lu ? Entre les textes 25, 26 ou 27. C'est quoi comme texte ? Qu'est-ce qu'on en retire ? Du coup, par rapport au texte 25, donc c'est Willy Brandt qui
Donc, je ne sais pas s'il était déjà chancelier à l'époque. En tout cas, il était président du Parti socialiste allemand, donc au congrès du mouvement européen. Et il explique, en fait, dans cette idée qu'on avait déjà vue plus tôt chez Spinelli, que le Parlement européen représente le peuple et les élus au Parlement européen ne sont pas là pour représenter, enfin, en théorie, ne sont pas là pour représenter les intérêts nationaux, mais pour représenter les intérêts européens. Et que vu que les peuples européens, de manière générale, soutiennent et veulent l'intégration européenne, ça va au final un petit peu forcer les autres institutions à continuer l'intégration européenne et à l'intensifier. Et voilà. Et donc, du coup, ce serait voilà, une constituante permanente. Une assemblée constituante permanente. Alors ça, c'est important, oui. Il parle de la constituante permanente. L'assemblée constituante permanente. Et pour aller dans ce sens-là, il y a aussi l'idée que ça va être une épreuve de force et que ce Parlement, il va avoir à se battre aussi en permanence pour affirmer son pouvoir, affirmer l'application de la démocratie ouverte. Ça va pas falloir qu'il se contente des petits pouvoirs qu'on va lui donner, quoi. Oui, exactement. Mais même la légitimité démocratique. En gros, l'idée, c'est vraiment ça qui est défendu par Willy Brandt, c'est qu'il sera légitime, qu'il va être élu. Là, le texte de Willy Brandt, c'est... On est en 1976. On sait déjà qu'il va y avoir les premières élections au suffrage universel direct du Parlement européen, qui sont prévues en 78 à ce moment-là, mais qui vont être décalées à 79 pour le coup. Mais, et grosso modo, ce Parlement européen, fraîchement élu, va avoir légitimité qu'il n'a pas eu auparavant. Et donc, grâce à ça, normalement, il pourra revendiquer un certain nombre de pouvoirs. Ceux qui ont lu les autres textes, il y a une interview de Spinelli dans un magazine. Après, il y a un discours de Spinelli. Est-ce que vous retrouvez des éléments communs? Est-ce que vous avez observé quelque chose de différent? Quand il parle de l'Assemblée constituante permanente, du coup, Willy Brandt, dans le texte d'avant, là, Spinelli parle du fait... donc, on lui demande s'il croit à la possibilité d'une constituante européenne, et il explique que si le Parlement n'arrive pas, par un moyen ou un autre, à revendiquer des pouvoirs constituants, c'est un Parlement qui va servir à rien. Bon, après, ça met un petit peu à mal ce qui se passe en ce moment. Enfin, on se dit, du coup, est-ce qu'au final, on a un Parlement qui sert à quelque chose quand on voit ce qu'on a aujourd'hui? Mais voilà, quoi. Exactement. En effet, en gros, dans son interview, Spinelli, il est assez... il n'est pas pessimiste, mais on va dire qu'il n'est pas dupe sur les pouvoirs qui sont donnés au Parlement européen. Donc, pour lui, l'élection au suffrage universel, ce n'est pas du tout un automatisme. Ce sera pas, n'est pas garant d'un pouvoir fort pour le Parlement européen. Ce sera à ce Parlement de taper du poing sur la table pour revendiquer de nouveaux pouvoirs et pour s'imposer dans le débat institutionnel, notamment. En effet. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a d'autres éléments, notamment dans l'interview par exemple ou dans le discours? Là, on a parlé de l'interview. Est-ce que quelqu'un a lu le discours de Spinelli? Le texte 27. Est-ce que quelqu'un a lu ce texte
nous dire quelque chose. Non. Je peux rapidement vous en parler alors. Grosso modo, le dernier texte, c'est un discours de Spinelli au Parlement européen qui parle à propos d'une... parce qu'il a été élu en 1979 parmi ces nouveaux députés nouvellement élus, fraîchement élus au suffrage universel direct. Et il a porté une initiative avec d'autres députés, une résolution qui vise notamment à faire en sorte que le Parlement soit à l'initiative d'une réforme des institutions. Donc, en gros, le Parlement lui-même décide de lancer un chantier pour réformer les institutions de la communauté en disant que ça ne fonctionne pas et qu'il faut refonder les traités. Et d'ailleurs, c'est ce que va faire le Parlement européen. À la suite de l'adoption de cette résolution, il se met au travail pour élaborer un projet de traité. Et dans ce discours, justement, il reprend les éléments qu'on a un peu vus. Ça veut dire ce Parlement est légitime démocratiquement. Il est donc, il a donc la capacité et il a le droit de proposer des réformes des institutions parce que il voit le Parlement comme une assemblée constituante permanente. Et donc, ce Parlement qui n'a pas le droit à l'époque de faire ça, le fait quand même. D'ailleurs, même aujourd'hui, il n'en a pas le droit, mais il le fait quand même. Bref. Voilà un petit peu pour vous résumer ça. Je vous remets de nouveau une petite frise que j'ai faite. Grosso modo, l'idée de ce dernier... de cette dernière séquence, c'était de vous montrer un peu comment dans les années 80, les fédéralistes reprennent un peu du poil de la bête, on va dire. Et il y a un peu une relance de cette idée de constituante grâce à l'idée d'élection du Parlement européen au suffrage universel, alors qu'est pour le coup une très vieille idée, hein, qui est déjà là dans des projets, y compris de la résistance, ou de juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais qui va être une acquisition que dans les années 70. Et grâce à ça, notamment Spinelli au Parlement européen, avec d'autres députés, vont travailler sur un projet de traité, qui est le projet de traité instituant l'Union européenne, et qui va être adopté par le Parlement européen en 1984. Et c'est l'un des projets, des gros projets de traité qui va faire bouger un peu les lignes et qui va notamment engager les États à se poser en tout cas les questions institutionnelles et la question de la réforme des traités de Rome. Et notamment, ça va donner lieu par la suite à l'acte unique européen, mais ensuite aussi tous les traités des années 90, etc. Et on va voir, là vous avez vu ça dans les années 80, mais dans les années 90, même dans les années 2000, il y a d'autres projets qui vont être élaborés par le Parlement européen lui-même pour essayer de forcer les États à réformer les institutions et à aller plus loin. Donc en fait, à partir des années 80 et avec ce Parlement élu au suffrage universel, on va avoir une sorte de... Enfin, ce Parlement, en tout cas, les fédéralistes vont revendiquer que ce Parlement est légitime pour faire pression, pour faire avancer cette Europe politique. Et les fédéralistes vont d'ailleurs utiliser ce Parlement pour le faire. Ils vont faire allègrement passer leurs idées. Et ces projets sont souvent... Là, on voit par exemple le projet de traité instituant l'Union européenne. C'est Spinelli lui-même qui va porter le rapport au Parlement européen. On va voir ça lors de futurs développements. Pour le coup, je vous partagerai sur le dossier partagé qu'on vous a envoyé. Je vous partagerai la présentation. J'ai fait quelques autres frises sur les années 90 et les années 2000, où vous avez notamment quelques textes dans le corpus qui vous permettent d'aborder un peu
cette période-là aussi, de voir un peu ce qui se passe avec le traité de Maastricht, les autres traités des années 90 et puis l'arrivée vers le fameux projet de traité constitutionnel européen qui a été refusé en 2005 par la France et les Pays-Bas. Donc vous avez quelques textes là-dessus, un peu moins nombreux, et vous pouvez voir un peu quelle est la stratégie à chaque fois des fédéralistes pour porter, enfin, qui ont porté ces projets, et quelle est aussi leur réflexion sur leurs échecs, enfin, l'échec de ces projets. Voilà un petit peu. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, c'est juste, je ne sais pas, une réflexion, je voulais... Bien sûr, on parle des échecs des fédéralistes, ça c'est certain. En plus, avec le Parlement qu'on a, une limitation, un ersatz de Parlement. Mais bon an, mal an, ça a quand même mis de la pression sur les États. Et les objectifs qui étaient à l'origine recherchés, même s'ils ne sont plus tout à fait d'actualité, mais on avait quand même l'économie, la démocratie, la paix. Bon, la paix, c'est tellement acquis et réussi qu'on n'en parle même plus à l'intérieur de l'Europe. La démocratie à l'intérieur de l'Europe, ça a très bien fonctionné. L'économie, ça a été flamboyant quasiment. Finalement, les objectifs que se fixaient les fédéralistes à l'époque ont, bon an, mal an, été atteints. Et qu'en plus, maintenant, on a des crises depuis une décennie qui nous tombent dessus et qui mettent mal à l'aise l'union économique, à tel point que pour résister à ça, on envisage des discussions, j'allais dire, d'ordre fédéral. On repart dans le débat fédéral. Bon, bah, pour finir, pour ce qui est des objectifs, même si on a l'Europe, enfin, Bruxelles, le Parlement et la Commission et le Conseil, c'est une organisation intergouvernementale, d'abord, finalement, les États se sont bien tenus, ne se sont pas décrédibilisés comme le siècle passé, et les objectifs ont été relativement atteints. Oui, c'est sûr. Alors, bon, c'est un peu difficile de regarder si les objectifs sont atteints ou non. Bon, il y a des fédéralistes qui militent encore aujourd'hui, donc il y a encore des objectifs à atteindre, ça c'est sûr. Mais en effet, vous avez vu dans les premiers textes qu'on a lus, il y a quelques objectifs qui étaient assez intéressants. Par exemple, chez les gradualistes, vous avez cette idée de la libre circulation, l'effacement des frontières. Ça par exemple c'est intéressant, ça va être l'une des victoires forcément des fédéralistes européens. L'élection du Parlement européen, c'est une grande revendication bien sûr, voilà, qui a mis du temps à se réaliser. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que finalement ça perfuse, ça se diffuse, et si on n'a pas la constituante, si on n'a pas la fédération toute belle et toute flamboyante, eh bien, on injecte dans les traités une direction, des directives. Et pour finir, on ne devrait pas finalement parler de l'échec des fédéralistes encore et toujours, mais une diffusion des idées, une intégration à chaque étape. On va vers plus et on ne va pas vers moins de fédéralisme. Oui. L'intégration se poursuit si on veut et si on prend un peu cette image, bien sûr. Après, c'est sûr que par exemple pour des fédéralistes constituants, la constitution elle n'est pas encore là, donc c'est vrai. Et puis surtout, en fait, ce qui est intéressant, peut-être vous le voyez dans les premiers textes, mais il faut s'imaginer à l'époque, c'est pareil dans la déclaration Schuman qu'on va fêter dans quelques jours. Il y a une perspective de fédération, mais ce qui est, enfin, aucun fédéraliste ne s'imagine que ça va durer aussi longtemps pour atteindre ces choses-là. On imagine que ça va se construire très très vite après la guerre, justement parce que les États-nations normalement, ils vont pas se relever de sitôt et on va pouvoir créer une structure fédérale assez vite. Et la désillusion, on l'a un peu senti au début des années 50 chez les fédéralistes. Et en fait, on se rend compte assez vite que ça ne va pas être si simple en fait, de créer l'Europe, de créer cette fédération européenne. Et c'est ça peut-être la difficulté d'appréhender, c'est qu'il est quand même difficile d'imaginer
qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les fédéralistes qui se sont mis à militer pour la Fédération européenne imaginaient que ça prendrait tellement de temps, en fait, que ça s'étale vraiment et que ce soit vraiment un processus. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les théories, alors que ce soit les fédéralistes gradualistes ou que ce soit ce qu'on appelle les néo-fonctionnalistes, etc., enfin, tous ces courants un peu de l'histoire de l'intégration européenne, ils vont émerger assez, enfin, après justement cet échec de la communauté européenne de défense, en se disant qu'en fait, ben, justement, la construction européenne, c'est peut-être un processus plus long qu'on ne le pense, et pas un sursaut comme on l'avait imaginé au départ. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des progrès, il y a des victoires. Voilà, on en a cité quelques-unes. Et peut-être qu'il y aura encore des victoires dans les crises qui arrivent. Donc, vous voyez à la fin du corpus, je vous ai mis des textes qui sont plutôt sur la crise des dettes souveraines qu'on a connue après 2008. Mais aujourd'hui, vous avez, et ça on verra peut-être à la prochaine séance pour le coup, comme ça je fais tout de suite la balance avec la prochaine séance qui a lieu mardi prochain, où là on recevra un économiste qui s'appelle Michel Devolui, qui était professeur d'économie européenne, pour le coup, à l'Université de Strasbourg, et qui est un fédéraliste. Et l'idée, c'est de parler un peu avec lui de la crise actuelle, bien sûr, et aussi des idées fédéralistes dans cette crise actuelle. C'est quoi les solutions qui sont proposées? Qu'est-ce qui est porté? Et là, justement, on verra qu'il y a un certain nombre de... Enfin, il y a encore des choses pour lesquelles militer et des combats à reporter pour les fédéralistes, c'est sûr. Donc voilà, ça se passera le mardi prochain à 20h. Et là, ce sera moins sous la forme d'une session de formation. Ce sera plutôt un débat avec Michel Devolui. Donc voilà, il aura une légère introduction. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment d'échanger avec vous, que vous puissiez lui poser des questions. Voilà, sachant que sa spécialité, c'est l'économie. Donc, voilà, on ne va pas parler du code génétique du Covid-19, pour le coup, mais on va parler de la relance de l'économie européenne et même dans le monde. Et comment, quels sont les instruments qui peuvent être créés au niveau de l'Union européenne pour répondre à cette crise. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? J'arrive pas trop à voir. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer donc dans quelques jours un compte-rendu de la formation que vous pourrez reprendre. Là, on a vu voilà, quelques entrées, quelques moments de l'histoire du fédéralisme européen. On a vu aussi différents courants qui sont créés au fur et à mesure de cette histoire. Vous pourrez reprendre tout ça calmement. Vous avez aussi un corpus où il y a beaucoup de textes. Donc, l'idée n'est pas forcément que vous les parcouriez tous, mais si vous avez envie de vous intéresser à l'un ou l'autre des auteurs, à l'une ou l'autre des personnalités qui sont dans ce corpus, je vous encourage, si vous avez envie de poursuivre, bien sûr. Et si c'est tout bon pour vous, s'il n'y a pas de questions, ben je vous propose qu'on en reste là et qu'on se donne rendez-vous à la semaine prochaine, mardi, cette fois, pour un débat avec Michel Devolui. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À mardi. Merci. Au revoir. Merci. Ah, et juste, est-ce qu'on pourrait avoir le PowerPoint? Oui, je mettrai le PowerPoint sur le Drive. Je vous écrirai de toute façon par mail quand ce sera dessus. Super. Voilà, vous aurez une synthèse. Je remettrai un peu en page les idées que vous avez évoquées, et notamment ça vous permettra d'avoir une synthèse. Je compléterai un peu avec les mots qu'on n'a pas vus. Super, super. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, merci.